Les modalités de gouvernance. Bonjour Yannick. Bonjour. Bienvenue. J'aimerais d'abord que tu te présentes et que tu nous dises ce que tu fais au FSM. D'accord. Alors, je m'appelle Yannick Marcil, je suis économiste indépendant, spécialisé en transformation technologique, industrielle et sociale. Donc, mon intérêt pour le Forum social mondial, c'est bien sûr d'aller à la pêche aux idées, d'aller à la pêche aux nouveaux mouvements qui transforment nos sociétés et nos économies. Alors, ça tombe bien, parce que moi, je vais te parler de mouvements qu'on considère nouveaux. Oui. Comme tu le sais, parce que tu as suivi ça toi-même, on assiste depuis quelques années à une émergence de ce qu'on appelle les communs, ce qu'on appelait avant les biens communs, qui sont devenus beaucoup plus actifs et beaucoup plus créatifs avec les communs. Et les communs commencent en effet à, on pourrait dire, entrer en politique à différents niveaux, que ce soit au niveau local, au niveau municipal, au niveau départemental dans certains pays, etc., au niveau national dans des pays, surtout d'Amérique latine, dans les dernières années. J'aimerais que tu nous dises, justement, toi qui es spécialiste de ces nouvelles initiatives, comment on peut accueillir cette émergence des communs dans toute la mouvance des mouvements de transformation sociale qui ont existé jusqu'ici? Je pense que l'émergence des communs actuellement, au sens, dans sa motivation politique, est une réponse à une chape de plomb qui nous est tombée dessus il y a 45 ans, hein? C'est-à-dire avec l'élection de Thatcher, de Reagan en 79-80, ça nous fait donc 35 ans là, officiel de néolibéralisme qui avait commencé une bonne dizaine d'années avant à émerger ou à prendre la place politiquement. Ce qui veut dire que, grosso modo, la plupart des adultes actuellement n'ont vécu aucun autre monde idéologique et politique que celui du néolibéralisme. Or, ce néolibéralisme-là charrie quelque chose de très fort, c'est-à-dire d'abord distingue nettement le privé du public. Il n'y a que l'État et le privé, l'un étant indésirable et l'autre désirable, d'une part, et d'autre part, a tué toute volonté de projet commun, de projet collectif, pas commun au sens des communs, mais au sens collectif. À un point tel que même des mouvements sociaux, comme des organisations sociales comme les syndicats, ont été contaminés par cette idéologie. Malgré eux, hein, en fait. Hein, c'est une stratégie qu'ils ont accepté de suivre pour pouvoir combattre, en quelque sorte. Et on a donc complètement balayé, ou presque complètement balayé, du paysage la possibilité même d'un projet collectif. Et ça, c'est l'effet le plus fondamental de l'hégémonie néolibérale. Donc, à mon sens, les communs, comme beaucoup d'autres réflexions, multiples et variés, comme on en voit au FSM, bien évidemment, là, par dizaines, voire par centaines, viennent répondre à ce grand désert d'envie et de projets collectifs que nous vivons depuis plusieurs décennies. Et les communs sont particulièrement dérangeants par rapport pour cette idéologie, pour les deux raisons que je viens de mentionner. C'est-à-dire, d'une part, c'est un projet collectif, bien évidemment, par définition, et d'autre part, ça questionne complètement cette fausse dichotomie entre le privé et le public. Comme s'il n'y avait que le privé et le public, les communs, on sait, vous parlez à quelqu'un qui a été, je sais pas, un collègue à moi, économiste, qui est très orthodoxe, vous lui parlez des biens communs, il va vous parler du Moyen-Âge, il ne comprendra pas comment ça peut exister aujourd'hui. Ça ne fait aucun sens, à part s'il met dans une petite case, périphérique, le bénévolat ou des trucs vraiment là, périphériques, un jardin communautaire ou ce genre de trucs, mais il va toujours retomber sur une analyse de propriété publique ou privée. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans ces mouvements-là, et c'est pour ça que je pense que ce qu'ils sont pertinents, c'est que ça vient complètement remettre en cause les fondements des dogmes idéologiques actuels, et je dirais même des dogmes
que le capitalisme ou le capitalisme néolibéral a réussi à battre, c'est-à-dire le communisme, soi-disant communisme classique, tel qu'on l'a connu sous l'URSS. Et je pense que depuis la crise de 2008, c'est ce qui permet l'essor de ce discours, ces discours alternatifs, c'est de dire un autre monde est possible. C'est multiple comme possibilité, mais justement, on est en train de défricher encore beaucoup de choses et retourner à un défrichement qu'on a connu dans le passé. Une question qui vient quand même, tu parlais de ton ami économiste, etc. C'est toi en tant qu'économiste, justement, beaucoup critiquent la faisabilité d'une économie qui serait basée sur les communs, mais enfin, il n'y a personne qui propose ça jusqu'à maintenant, ou d'une économie hybride, etc. Avec les exemples que tu connais des communs à différents niveaux, est-ce que, en tant qu'économiste, tu penses que c'est vivable? Déterminer si un système économique est vivable ou non, c'est d'abord déterminer qu'est-ce qu'un système économique, ou qu'est-ce même qu'une activité économique. Le problème est le suivant, c'est qu'on a un schéma d'analyse, de lecture du monde, qui nous est hérité des origines de la pensée économique libérale au 18e siècle. Donc, qui, grosso modo, pour faire vite, considère que ce qui est économique doit nécessairement laisser une trace. Et cette trace-là, c'est la transaction monétaire. Tout ce qui est en dehors de la transaction monétaire n'est pas économique, n'est pas une activité économique. Or, ce que ces visions alternatives, comme les communs, viennent questionner, c'est l'essence même, la nature même de ce qui est une activité économique ou ce qui n'est pas une activité économique. Donc, l'exemple banal que je prends toujours, c'est celui de la tomate. Si j'achète une tomate au supermarché et que je la mange, ou que je prends une tomate dans mon potager et que je la mange, dans les deux cas, j'aurai mangé une tomate. Dans le premier cas, il y a une transaction économique. Dans le second, il n'y a pas de transaction économique. Mais les communs, l'économie collaborative, le peer-to-peer, l'économie du partage, ainsi de suite, viennent complètement questionner la définition même de ce qui est une activité économique. Du coup, l'économiste orthodoxe va dire, mais comment on fait pour traiter ça? Ça n'apparaît pas dans mes colonnes statistiques, ce machin-là. Au mieux, ça va apparaître dans certaines études sociologiques où on fait le décompte des activités humaines hors marché. Mais l'économiste orthodoxe est désemparé par rapport à ça parce que ça ne rentre pas dans son cadre d'analyse. Et au-delà donc du cadre d'analyse, c'est que pour répondre à cette question si les communs sont viables ou un système hybride ou peu importe la transformation plus ou moins radicale qu'on envisage pour le capitalisme, pour pouvoir répondre à la question de la viabilité de ce système hybride ou complètement différent du capitalisme, il faut répondre à la question qu'est-ce que l'activité économique, qu'est-ce que la vie matérielle, est-ce qu'elle a besoin d'être médiatisée par une transaction monétaire, est-ce qu'elle a besoin de monnaie? Est-ce qu'elle peut reposer sur d'autres formes d'échange? Est-ce qu'elle a besoin d'échange même? Et c'est là où c'est profondément révolutionnaire. Il y a beaucoup de révolutions, ou ce qu'on a voulu faire comme révolution au 20e siècle, nommément la révolution bolchevique, les révolutions communistes en général, qui ne changeaient pas fondamentalement le mode de fonctionnement industriel, économique. On voulait changer le mode de propriété, de planification, mais ça demeurait des transactions plus ou moins internes, etc. Mais fondamentalement, l'idée du processus industriel, de la vie matérielle et économique, n'était pas remise en question de certaine manière. C'est pour ça que je trouve très important de porter attention à ces initiatives-là, parce qu'elles nous permettent de poser des questions fondamentales sur ce que nous désirons collectivement et individuellement de notre vie matérielle et de notre vie économique. Certains parlent même, toi tu parles de changer complètement de paradigme, d'une certaine manière. Dans les pays du Sud, ils parlent d'oublier le développement, c'est-à-dire d'aller au-delà du développement. On parle beaucoup en ce moment, il y a des questionnements sur le post-extractivisme, et donc les modes de faire, justement, propres au capitalisme. Comment tu vois ça de cette manière globale, hein? C'est-à-dire beyond development. Oui, oui. Ben, en fait, la question du développement, c'est un peu la même question que qu'est-ce que la vie économique, qu'est-ce que la vie matérielle. Hein? Le développement, c'est-à-dire la croissance de la production, nommément, année après année, est intrinsèque au capitalisme tel qu'on le connaît depuis 200 ans. Donc, si on remet en question cette notion de développement, on remet nécessairement en question
la dynamique même du capitalisme. Je veux dire, il n'y a aucun politicien présentement qui peut aller sur une tribune publique en campagne électorale en disant « je vous promets moins d'emplois ou pas plus d'emplois l'année prochaine et une décroissance économique ». Ça n'existe pas, ça ne peut pas fonctionner dans le monde dans lequel on se trouve. Or, je pense que, évidemment, je ne suis pas le seul à penser ça, mais cette vision d'une réduction assez importante de la croissance, voire d'une croissance nulle, sinon même d'une décroissance, qui sont trois choses assez différentes dans leurs impacts, c'est pas nous qui allons décider. C'est tout simplement la nature. Et on sait, on est probablement rendu là, ou en tout le moins à quelques années, quelques décennies au mieux, d'être contraint de changer complètement nos modes de fonctionnement. Alors moi, je pense qu'il faut faire comme si. Il faut faire comme si il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de terres rares, il n'y aura plus de minéraux qui sont nécessaires à faire fonctionner nos bidules. Bon, c'est un peu drastique, c'est un peu exagéré comme vision, mais si on fait comme si, si on pose l'hypothèse qu'on se rendra là ou que nos enfants ou nos petits-enfants se rendront là, bien nécessairement, on doit réfléchir à notre mode de vie actuel, à notre mode de propriété, à notre mode de partage de la richesse que nous créons, qui n'est pas nécessairement monétaire, évidemment, et donc à réfléchir à des modes d'organisation différents de ceux qu'on connaît. Je veux dire très crûment, c'est bien beau de réfléchir, etc. En face de nous, on a quand même des institutions, des États super organisés qui font tout pour à la fois nous empêcher de réfléchir, mais pour empêcher d'aller plus loin que la réflexion. On a parlé ce matin ici de justement quel type de relation on peut avoir avec l'État ou avec les pouvoirs publics de manière générale pour faire passer, si tu veux, ce nouveau paradigme. Parce que ce que tu dis depuis le début, les 45 ans de néolibéralisme, les 200 ans de capitalisme, etc., en fait, la première conclusion, c'est que la révolution qu'on a faite, c'est d'abord une révolution culturelle, et ensuite, passer à une autre étape. Comment tu vois ça? Peut-être que la domination, l'hégémonie néolibérale va être notre meilleur ami. On le voit au Québec particulièrement, mais c'est vrai dans le monde. La logique de la privatisation tranquille fait en sorte que, et particulièrement dans les régions au Québec, c'est dramatique, c'est tragique en fait, l'État se désengage, privatise tranquillement, les citoyens se rendent compte qu'ils n'ont plus les services de l'État central auxquels ils avaient droit précédemment, se disent « ben, on n'a plus rien à attendre de l'État », ce qui justifie encore une fois une plus grande privatisation, une espèce de spirale, n'est-ce pas? Et ce qui fait en sorte que les citoyens se sentent, un, et avec raison, dans plusieurs régions, je pense notamment à la Gaspésie, qui est une catastrophe épouvantable, économiquement parlant et même socialement, les citoyens se disent « mais je n'ai plus rien à attendre de l'État, il ne m'écoute même plus, il est très loin de moi, l'État central, j'entends, donc je vais m'organiser dans ma communauté ». C'est vrai au Québec, c'est vrai dans à peu près tous les pays qui vivent des difficultés économiques majeur. On l'a vu ces dernières années en Grèce, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en sud de l'Italie, pour ne nommer que l'Europe. Donc, ce désengagement de l'État qui, malgré tout ce qu'on peut croire, continue de se poursuit après, et ça fait 35 ans qu'il s'est entamé, va faire en sorte qu'il va peut-être avoir un basculement vers un pouvoir local. Et j'entends pas là, par là uniquement des initiatives locales qui sont super importantes de reprise en main. Les plus petites initiatives comme les plus organisées en réseau, je veux dire, ça peut aller de la monnaie locale pour favoriser le commerce de proximité à des organisations en réseau entre petites villes, etc. Mais bien plus que ça, je pense que sans prédire la fin de l'État-nation, on n'est pas rendu là, mais il ne faut jamais oublier que l'État-nation, c'est une forme d'organisation politique qui est relativement récente dans l'histoire humaine, si on remonte à l'Antiquité. La forme d'organisation humaine, dans plusieurs types de civilisations différentes, qui a été privilégiée, c'est celle de la cité, c'est celle de la ville. Et d'après moi, on a les meilleurs ingrédients sont là pour qu'on puisse réinvestir le pouvoir au niveau local, donc nommément municipal, au niveau des villes. Je ne dis pas qu'il faut prendre les villes telles qu'elles sont, puis c'est elles qui vont gérer comme elles sont. Non, non, c'est justement savoir qu'il y a déjà des institutions, savoir qu'il y a déjà des formes d'organisation, des habitudes institutionnelles que nous connaissons, qui peuvent être investies davantage au profit des initiatives. Je pense que
c'est très, très imparfait. On le voit dans plusieurs villes près de chez nous, là, au Québec, où dans les arrondissements, même dans les quartiers au sein des arrondissements, il y a plein d'initiatives qui se font au plan communautaire, d'aménagement urbain, de développement économique, d'économie sociale, etc. Et que là, c'est une opportunité, je pense, pour rendre ça plus concret. Maintenant, ça ne se fait pas en criant ciseaux, ça ne se fera pas par magie, mais ça va nécessiter que les citoyennes et les citoyens investissent les institutions présentes et les transforment. Mais je crois que la table est mise pour ça. Encore une fois, sans nécessairement mettre l'État-nation, rendre l'État-nation caduque, mais à tout le moins ramener les forces vives de la vie politique au plus proche des communautés. On mentionne souvent ces derniers temps, justement, par rapport aux villes, des initiatives qui sont faites dans certaines villes d'Europe. En Italie, par exemple, il y a maintenant 97 villes qui ont une charte des communs. Cherchent des outils, justement, pour promouvoir les communs. À Barcelone, ils n'ont pas une charte des communs. Par contre, ils ont des gens d'associations qui sont à la tête de la municipalité et ils fonctionnent comme des communs. Est-ce que la viabilité aussi de ces choses-là, enfin, je vais dire mes doutes par rapport, par exemple, aux chartes italiennes, parce que c'est formidable, c'est une avancée absolument incroyable, mais selon les villes, d'ailleurs, ça a été adopté de manière un peu différente. Souvent, ça a été fait dans un bureau, moi j'ai des exemples concrets par deux fonctionnaires qui disent « la charte, c'est ça ». Dans d'autres cas, la charte a été faite plutôt de manière plus participative. On risque de tomber dans quelque chose comme les smart cities avec par rapport aux villes un peu plus citoyennes. Comment tu vois ça, cette bataille là qui peut y aller pour essayer d'imposer, enfin de faire passer? C'est sûr que le risque, comme dans n'importe quelle initiative de ce genre, c'est de la récupération. La récupération d'abord par la logique capitaliste marchande elle-même, qui est une formidable machine à bouffer toutes les relations sociales. On l'a vu depuis 200 ans. Je veux dire, on pense même aujourd'hui le mariage, avoir des enfants, l'éducation en termes marchands, en termes d'investissement et de calcul coût-bénéfice. Donc ça, c'est un premier risque, c'est la récupération par la logique du capitalisme marchand. Le deuxième risque, qui est encore plus vicieux à mon sens, c'est une récupération purement marketing. Tu parles des villes intelligentes, mais ça peut être simplement les chartes du commun où le bon maire ou la bonne mairesse du coin va dire « Ah, ça paraît bien, ça fait jeune, ça fait smart cities, etc. » Mais qu'au final, ça ne change strictement rien ou très peu de choses. On fait quelques initiatives à droite et à gauche comme, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, un jardin communautaire ou une ruelle verte ou ce genre de trucs. La clé du succès, une des clés du succès, ce serait prétentieux de dire qu'il y en a bien sûr qu'une, pour moi, c'est l'initiative, bien sûr, citoyenne, de construire ça sur un mode collaboratif et tout ça, mais c'est de l'ancrer dans l'histoire. C'est de l'ancrer dans l'histoire et donc dans l'éducation et la connaissance. Pourquoi? Parce que cette logique des communs, donc des communaux, hein, des biens communaux, mais au-delà des biens, du partage communal, elle a existé, donc, comme tu sais, pendant des siècles et des siècles. Il y a des résidus au Québec encore. Il y a quelques terrains où le bétail va paître et qui est partagé par les agriculteurs du coin. Cette terre est une terre communale qui remonte souvent, d'ailleurs, les titres notariés remontent à la Nouvelle-France et existent encore parce qu'on ne peut pas aller contre ces titres notariés. Je pense qu'aucun notaire les comprend de toutes les manières. Mais revenir à l'histoire pour montrer comment ça a existé, comment ça existe encore, comment c'est réinventé, pour que les citoyennes et les citoyens ne se fassent pas berner par cette récupération-là. Comprennent que ça n'est pas qu'un gadget. Comprennent que ça n'est pas qu'une petite initiative comme une ruelle verte ou ça peut être super cool, une ruelle verte, mais que ça peut être beaucoup, ça peut être majeur. Ça peut être une transformation de notre vie matérielle, de notre vie économique, qui dépasse des initiatives circonscrites. Que c'est repenser notre vie en commun, bien, à mon sens, ça passe, comme tout changement social, par l'éducation, mais plus spécifiquement par un retour à l'histoire et expliquer comment ça a fonctionné, pourquoi ça peut fonctionner encore. Je te remercie. Ça me fait plaisir. Je pense qu'on a fait le tour.